entre les pantalons d'un futaine grossière, coincé dans sa berline au fond de l'ascenseur, Tom, 7 ans, pétrifié de peur, figé d'horreur. Pour lui va commencer la descente infernale dans Mont Vermousse, fleuron des mines à Durham. L'attente insupportable, angoissante, inquiétante pour le timide enfant, novice et ingénieux. Rite d'initiation qui marquera sa vie. Couverte d'un fichu, pâle en sa robe noire, sur le carreau, là-bas, une forme indistincte qu'il voudrait appeler, mais sa gorge est nouée. C'est elle, ce matin, le voyant s'éloigner, que son œil jamais plus ne le contemplera. Le câble d'extraction glissant dans la molette se déroule un instant, puis à nouveau s'arrête. Dans le tohu-bohu résonnent des jurons. Qu'est-ce qu'ils font là-haut, ces feignants trop veillés? Des larves infoutues d'actionner un levier. L'on entend retentir de gras et triviaux rires, des crachats sont lancés par la grille de fer. Sous la tôle ondulée du haut chevalement, les hommes ont hissé leurs frusques de surface. Mais sait-on si le soir, l'on viendra pour dépendre cet inerte fantôme, attendant patiemment? Sait-on lorsqu'on le rejoint le royaume des morts, si l'on va remonter au pays des vivants? Tom étouffe, écrasé par des genoux cagneux, des épaules pointues, des reins durs, fesses molles. Si l'ascenseur pouvait ne jamais s'ébranler. Pourtant, d'un coup, voici qu'il tressaille à nouveau, mouvant sa cargaison, bruyante et remuante. La nacelle s'enfonce en plein cœur de la mine, fantastique plongée dans l'énorme planète, descente impressionnante, immersion, plongeon, saut, chute vertigineuse au fond de l'inconnu. Cliquetis, couinement, craquement, grondement, l'encablure épousant l'acier de la molette, grince en un sifflement de plus en plus aigu, vrombit, mugit, rugit, stridente, insupportable. Ne va-t-elle soudain s'étirer, se casser, la cage abandonnée, libre de son attache, ne s'écrasera-t-elle en un choc monstrueux? Comme une catharsis mentale et corporelle, soudain se libérant des larmes dégringolent sur les joues de l'enfant, terrifié, paniqué. Des hoquets, des sanglots ébranlent sa poitrine. L'urine incontinente en ses bras le jaillit. Nul ici n'est ému par le sort du bambin, car il doit s'endurcir, car il doit s'aguerrir. S'il résiste, il sera le vaillant compagnon, le mineur fraternel fortifié dans sa tâche. 40 pieds, 80 pieds, 130 pieds. La cage ralentit, puis lentement s'arrête. Le filon de modeline, premier point d'accrochage. Des hommes goguenards s'échappent de la cage. La descente reprend. 200 pieds, 300 pieds.
La cage, en s'enfonçant, devient plus silencieuse. Les rires diminuent, les voix graves se taisent. Comme si déférant les hommes pénétrés, l'éternelle demeure où les défunts séjournent. L'on plonge encore au sein du ténébreux avène, toujours plus dans l'antre formidable, toujours plus aux confins de l'effrayant abîme. 400 pieds, 900 pieds, 1500 pieds. Dernier point d'accrochage, arrêt. Au voice Gilles Sims, l'enfant suit le troupeau, bravant l'obscurité. L'étroite galerie, pénible progression. Les tremblantes lueurs, au passage des lampes, jetaient sur les parois des ombres fantastiques. L'eau nudiste éployant les ailes gigantesques des chats-huants troublés par la venue des hommes. Parfois, d'une fissure émanait un courant, bouche d'aération, comme la vive haleine d'un fauve qui guettait son inconsciente proie. Tom sursautait d'un pas, tandis que les mineurs poursuivaient sans frémir leur marche imperturbable. Voici l'intersection, le porion fait un signe, l'enfant doit rester là, surveiller le passage. Consigne ouvrir, fermer les portes coulissantes. Lorsqu'ici passera le convoi des berlines, débarrasser la voie sur les côtés poussés, la galette essaimée par les wagons trop pleins. Nul autre commentaire, ainsi doit-il attendre.